c'est un indispensable pour les soirs de flemme. C'est trop bon, ça se prépare en 2 secondes et ça coûte rien. Oh, non, il y en a un côté qui est cassé. Oh non. Je viens de casser un œuf. Pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous savez j'adore tourner ce genre de vidéo, un retour de course. Et chose première, chose due, parce qu'après le retour des courses bio de chez Sobio et vu mon porte-monnaie qui s'était ruiné, je vous avais dit que j'allais vous prouver que Marcel et fils c'était moins cher. Nous y sommes aujourd'hui. Donc on est allé faire des petites courses chez Marcel et fils. Quelques images. Et voilà, comme d'habitude, je vous emmène avec moi aux courses pour que vous puissiez voir les rayons, le style de produits qui y sont proposés et aussi les prix pratiqués. Donc je vous emmène dans la plupart des rayons et je vous montre mon petit shopping. J'étais trop dégoûtée, il n'y avait plus mes favrichons protéinés du coup que j'ai acheté la dernière fois chez Sobio. Par contre, un goût assez particulier parce que du coup ils sont beaucoup moins sucrés et ça n'a pas du tout la même texture que du muesli normal. Mais si vous faites attention à ce que vous apportez à votre corps et vous cherchez un muesli, testez-le quand même parce que les apports sont vraiment top. Et j'ai testé ces nouvelles petites céréales. Je me suis laissée influencer clairement par Stelle pour ces céréales qui apparemment sont très bonnes à mettre dans un yaourt ou des choses comme ça. La compo était pas mal et je pense qu'en faisant un muesli maison et en rajoutant ça, ça peut être quelque chose d'assez bon. Donc pourquoi pas tester, sans oublier les incontournables, les protéines végétales évidemment. Alors je vous avoue que ça n'a pas été un autant grand plein que d'habitude parce que je suis allée faire les courses il n'y a quand même pas très très longtemps. Mais on a quand même pris pas mal de choses et niveau prix, même si c'est plus cher que des courses habituelles, on s'en sort beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que bio, c'est bon. Et on a plein de trucs trop trop bons, donc c'est parti pour vous montrer tout ça. On a du sucré, du salé, des protéines, des liants pour préparer des petits plats et des snacks. Bref, on adore et pas mal de choses en promo. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Dana. Sur ma chaîne, on fait des vlogs, des 24 heures, des retours, des courses. Bref, un petit peu tout ce que je kiffe. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être avec moi plus souvent. On va commencer par le frais, comme ça je vais aller le ranger après. On va éviter que la chaîne de froid se dégrade. J'ai acheté pas mal de protéines végétales parce que on n'avait plus rien en protéines végétales. Sauf quelques légumineuses, mais vraiment très peu quoi. Et vous voyez, on essaie de faire du sport, donc quand même si on mange pas assez de protéines et que nos muscles ne prennent pas, ça n'a pas trop d'intérêt. Du tofu, j'ai gardé ce côté à moins 50 pour vous montrer qu'en fait il y a justement pas mal d'offres dès que ça commence à être un petit peu proche de la date. Là vous voyez en gros ça se finissait le lendemain et du coup moins 50%, donc on adore. Sachant que le tofu c'est déjà pas mal cher normalement, donc quand il y a des offres on est bien content. J'ai mes lunettes qui sont pourries, je ne vois strictement rien. Donc c'est 2 blocs de tofu, ce qui fait 280 grammes de tofu, qui était de base à 3,09€ si je vous dis pas de bêtises, exactement. Je vous remettrai tous les prix en haut comme d'hab. À 3,09€ donc les 2 blocs, dont un que j'ai mangé déjà. On nous a enlevé 1,55€ deux autres sortes de tofu. Le tofu rosso qui se met, on va dire, si on veut faire, imaginons des pâtes à la sauce tomate, voilà, quoi, quelque chose comme ça, imaginons. Vous le mettez à l'intérieur, c'est très très bon. Et lui, c'est le premier tofu que je crois que j'ai goûté qui était déjà, on va dire, tout prêt. Or, le tofu blanc, Et oh là là, je l'ai goûté, je suis tombée, mais waouh! À faire un petit peu griller là, avec un tout petit peu d'huile à la poêle, juste griller, retourner, pour bien qu'il colore un petit peu, ça donne un petit craquant et ça c'est trop bon. Et vous rajoutez ça sur les salades l'été, c'est trop bon. Je crois que c'est le plus cher par contre. Le tofu, donc basilic lui, il était à 3,15€. Et le tofu rosso, celui-ci, à 2,79€. Il y a encore 2 choses pour continuer sur ce genre de protéines végétales. Les saucisses de Sétan. Et celles-là, elles étaient à 4,20€. C'est pas donné non plus, hein. De toute façon, dès que c'est un petit peu préparé et tout, c'est pas cadeau. Mais bon, c'est pas mal. Et puis ça dépanne. Nous, je les ai fait en mode avec des œufs, je crois, lors d'un brunch. On avait fait des œufs brouillés, puis on avait fait ça parce que moi j'aime pas les saucissons, les merguez normales, blablabla. Et la dernière sauce de protéines, donc végétale toute prête que j'ai achetée, c'est du tempeh. Donc le tempeh c'est comme ça, pour ceux qui connaissent pas. Ça existe nature ou avec certains goûts, mais beaucoup moins que le tofu quand même. Ça a rien à voir niveau texture, c'est-à-dire que, je sais pas si on voit, c'est quand même assez granuleux, genre...
Et c'est un arrière-goût. Franchement, c'est plus particulier, je trouve. Enfin, moi, je préfère le tofu, je pense. Mais les apports sont un petit peu mieux sur ça. Mais faut goûter. Clairement, si vous mangez ça que comme ça, faut vraiment, vraiment être accro pour aimer. Parce que sinon, c'est pas la folie-folie. Mais bon, après, ça se cuisine un petit peu comme tout, j'ai envie de vous dire. Et en dernier frais, ce petit yaourt, que comme vous voyez, j'ai déjà attaqué. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il est très bon. Franchement, je l'adore. Je ne l'avais jamais goûté. C'est IA. Et c'est version version coco légère. Comme ça, hop. À l'intérieur, bon, c'est un petit peu comme du yaourt, mais léger. Vraiment, ça fait cette texture. Un petit nuage, quoi. Il est vraiment très bon. Moi, je mélange ça avec des poires ou quoi, du muesli. Donc, à la fin, c'est plus très léger. Mais en tout cas, ça se marie vraiment très bien. Et lui, je valide. Parce que pour avoir testé plusieurs yaourts végétaux, franchement, ils n'ont pas de goût quand ils sont nature. Ou sans, quand ils sont aromatisés, c'est vraiment très, très chimique et très, très sucré. Et lui, franchement, niveau compo, il est top. Et niveau goût, il n'y a rien de chimique. Donc, c'est cool. Il était à 3,79€. Alors bon, oui, on est d'accord que c'est pas donné, hein, de toute façon, ce genre de yaourt. Mais bon, moi, j'adore les yaourts grecs et tout. D'ailleurs, si vous aimez, c'est vraiment top en apport. Bon, même si c'est du gras saturé, parce que c'est des produits laitiers. Niveau apport et tout, c'est bien protéiné, c'est cool. Mais moi, je le digère très très mal. Donc, mon estomac, il vaut mieux pas qu'il ait des produits laitiers. Moi, je vais vite ranger le frais et je reviens pour le reste. Et des œufs, bien évidemment, je ne pouvais pas aller aux courses sans acheter d'œufs parce qu'on n'en a plus. Et moi, j'adore les œufs en omelette, à la poêle, durs dans les salades, dans les gâteaux, bref, j'adore. 10 œufs qu'on a payé 3,19€ les 10 œufs. C'est pas excessif, franchement, pour du bio et tout. Parce que même au supermarché normal, c'est à peu près ce prix-là. Et ils sont clairement énormes. Attendez, j'essaie de l'attraper. Oh, ça n'en casse rien. Il est cassé, le con. Pourquoi il pègue? Oh, mon œuf il pègue, c'est bizarre. Enfin bref, il est énorme, regardez. Je vais vite. Il est cassé. Oh, non, il y en a un côté qui est cassé. Regarde. Oh non. Il vient de casser un œuf. Ça n'en casse rien. Bon ben voilà, de surcharger les sacs, ça amène à casser des œufs. Donc faites attention comment vous mettez vos œufs dans vos sacs. Parce que sinon vous allez faire la même bêtise que moi. Et en plus, comme je sais pas si je l'ai cassé de suite là maintenant ou tout à l'heure, ben, il doit aller à la poubelle. Je suis triste. Ensuite, j'ai acheté une belle salade. Franchement, trop belle. Bio. On voit qu'elle est genre bien robuste. Vous voyez, elle a des jolies petites anglaises. Je l'adore. Et elle était à 99 centimes. Et franchement, ce genre de salade, quand on les achète en sachet... Genre on fait une salade, c'est épuisé, alors que celle-là, tu fais 2-3 fois des salades, quoi. C'est énorme, c'est trop cool, j'adore. Que j'adore. Dior. J'ai pris des bananes bio, bien évidemment, comme je les ai achetées chez Marcel et Fils. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 bananes et c'était à 1€. 1,34€. Comme c'est la saison et que c'est trop bon et que c'est diurétique et que ça a plein de vertus et qu'on adore en risotto et tout. Les asperges. Une botte d'asperges, sachant que les asperges, ça coûte une blinde atomique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est clairement très très cher. Et là, pour le coup, elles étaient vachement moins chères comparées, on va dire, ailleurs où je les ai vues. C'est une botte de 500 grammes et elle est à 5,87€. Donc franchement, pour une botte d'asperges et bio, on s'en sort pas mal. Ça, je crois que c'est ce qui a coûté le plus cher, mais j'ai clairement une addiction à ça. D'ailleurs, je viens de l'acheter. Hein. Bref, sans commentaire, de la Nocciolata. Je suis une fan du Nutella depuis mon enfance, mais vraiment, genre, je le consomme, je le surconsomme, alors que c'est pas bon du tout d'ailleurs. Et j'ai goûté ça dans une journée comme Sissi d'ailleurs, comme Sissi Mua, où je mangeais comme elle. Bref, c'est mais c'est trop bon, mais c'est vraiment trop bon. C'est du Nutella bio, mais enfin, j'ai pas les mots, j'adore. Et ça, c'était 6,99€, donc par contre, sachant la vitesse où je tombe, c'est pas donné. Mais écoutez, de temps en temps, franchement, on doit l'acheter une fois tous les 2 mois, hein, le machin, mais ça fait plaisir. Ça, je me suis clairement laissée influencer par Stelle, parce que j'ai vu dans une de ses stories qu'elle avait pris ça au bio, et j'ai regardé la compo. Franchement, la compo, elle est pas dégueu du tout, parce que vous avez pas mal de protéines, vous avez 15 grammes de protéines,
et il n'y a pas beaucoup de sucre, il y a 2,3 grammes. Donc je me suis dit de faire un petit mélange avec un muesli que je fais moi seule et rajouter ça dedans, ou juste mettre ça quand je mange du yaourt avec des fruits. 2,99€ les 250 grammes. Ce qui est bien aussi chez Marcel et Fils, or qu'ils ont souvent des petites promos, comme je vous l'ai dit, moins 50 et tout. D'ailleurs, j'ai d'autres choses que j'ai pris en promo, deux autres trucs que je vous montre tout à l'heure. Bref, ils ont aussi souvent des offres. C'est-à-dire, par exemple, la dernière fois, je suis allée, quand on avait la carte de fidélité, pendant un mois, on avait le droit à un produit à moins 50% à chaque passage en caisse. Donc, pour les produits que vous achetez régulièrement et tout, c'est pas mal. Ils font souvent des petites offres. J'ai craché. Horrible, je suis honteuse. Bref, ils font souvent des petites offres comme ça, donc franchement, ça fait du bien pour mon nez, on adore. Donc, autre chose, j'ai pris des pâtes de l'anti-corail. Parce que, vous voyez, en vrac, c'est les petites pâtes, les petites torsades comme ça là. Parce que les pâtes de l'anti-corail, comme vous savez, du coup, c'est fait avec de l'anti-corail, donc les légumineuses qui sont très riches en protéines. Vous avez à peu près 26 grammes de protéines. Je vous ferai une vidéo pour mieux vous expliquer comment assimiler les protéines végétales si vous voulez. En gros, il faut qu'il y ait des céréales et des légumineuses pour avoir tous les acides aminés nécessaires pour le corps absorber les protéines. Si vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Et puis, ça me fera trop plaisir de vous le faire. Donc, toutes ces pâtes de l'anti-corail, j'en ai eu pour 6,53€ et j'en ai pour 500 grammes. On peut les trouver moins chers aussi que ça quand même, mais ça reste quand même un bon rapport comparé à selon vous les achetez. Clairement, c'est un indispensable pour les soirs de flemme, ça. Nous, on les tombe en 5 minutes chrono, enfin en 5 jours, je dirais plutôt, c'est plus logique. J'ai acheté de la farine tout simplement parce que j'avais oublié d'en acheter, donc à mes courses normales. J'achète jamais de farine au bio normalement, hein, parce que la farine ça coûte rien, donc c'est un petit peu bête, à part c'est une farine particulière d'aller l'acheter au bio. Mais comme j'y étais et que j'en avais plus et que j'ai envie de faire des gâteaux, j'ai acheté donc de la farine. C'est la farine de blé standard type 65, voilà, à 1,69€. On va passer aux deux produits qui étaient en promo, que j'ai acheté du coup moins cher, et ça on adore. De base à 1,59€, moins 20%, et je les ai donc payés 1,27€. Je suis pas du tout fan des galettes de riz et maïs normalement, mais particulièrement riz. Maïs, je trouve que les apports et tout sont mieux et l'indice glycémique est plus bas. Donc à privilégier les galettes de maïs. Si on a besoin, de temps en temps ça dépanne, si on a envie de pain qu'on n'en a pas. Ça, pour, je sais pas si vous avez goûté, mais c'est tellement bon. Du coup, quand j'étais étudiante, je me faisais ça avec, vous savez, les carrés frais là, 0% dessus. Et des concombres, des tomates, un petit peu tout ce que vous voulez. Et c'est excellent. C'est trop bon, ça se prépare en 2 secondes et ça coûte rien. Donc franchement, normalement c'était à 2,79€. Sachant qu'il y en a, hop, 6, 7, 8, 8 galettes dedans. Et là, je les ai payées 2,23€. Soja cuisine pour remplacer la crème fraîche. Pareil, la crème fraîche, c'est bon. Ça, les apports, franchement, ils sont pas ouf, hein. Quand on regarde vraiment la crème fraîche, c'est limite pareil, sauf que ça a du gras saturé. C'est surtout, comme je vous dis, comme j'ai du mal en ce moment à digérer tout ce qui est produits laitiers, et ben quand j'ai envie de mettre de la crème, je privilégie ça aussi. Ça existe aussi au riz, je pense que c'est meilleur pour le coup, mais c'est plus cher, donc moi je préfère le soja. Les trois, ils étaient à 3,54€. Et ça dépanne bien quand on fait des pâtes, des gratins ou des trucs comme ça. D'ailleurs ça, avec du chou-fleur congelé, de la noix de muscade, ça prend 5 minutes, c'est très équilibré. Enfin, il faut le faire cuire au four, hein, bien évidemment, et c'est très bon. Dernière chose, j'aurais pu finir sur la nocciolata quand même, le meilleur sur la fin, mais bon, c'est pas grave. C'est le lait de coco. La dernière fois, chez Sobio, j'avais acheté du lait de coco en conserve. D'ailleurs, si vous l'avez vu la vidéo, j'avais pas encore testé. Là, je reviens pour vous dire, parce que je l'ai goûté. Franchement, enfin, à ne pas racheter cette marque. Déjà, quand on l'ouvre, vous voyez, c'est vraiment, il n'y a que le gras au-dessus, donc quelque chose de dur. Et ensuite, ça fait que de l'eau. Et même en remuant, c'est très liquide. Ça n'a pas la texture qu'on aime du lait de coco. Le goût n'est pas extrêmement prononcé non plus. Donc franchement, la marque que j'avais pris la dernière fois, donc je vous mettrai ma vidéo si vous n'avez pas vu le recours retour des courses chez Sobio. Moi, je vous déconseille. En plus, il n'était pas du tout donné. Donc là, j'ai pris celui-ci pour le coup, qui est meilleur. Je l'ai goûté et je le préfère. Et il est à
4,25€ les 3 comme ça. Ça, pareil, ça aide beaucoup à rajouter dans le riz, dans les pâtes avec les légumes et tout, pour donner un liant. Il faut toujours avoir de la sauce, sauce tomate, purée de tomate, tomate pelée entière, lait de coco, lait de soja, crème fraîche, vous aimez la crème fraîche. J'en ai eu en total pour 64,11€, sachant que pour le bio, c'est vraiment moins cher que les autres enseignes que je connais, hormis les sites en ligne où on paye un abonnement mensuel et que ça se déduit donc à chaque commande, comme la fourche et tout. Ça, c'est le moins cher de tous. Mais sinon, pour les magasins où on va, Marcel et Fils, pour moi, c'est le plus avantageux. Et en plus, je kiffe leurs produits, ils ont pas mal d'offres. Donc, je valide à 100%, j'adore. Si vous avez un bio à tester, n'hésitez pas à les tester chez eux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez vu donc les prix et les gammes de produits qu'on pouvait voir chez Marcel et Fils, et que ça vous aura peut-être donné des petites idées d'achat. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et puis surtout à vous abonner, comme ça on passe plein de petits moments ensemble. Sur ce, je vous fais des gros bisous.